En Côte d'Ivoire, la filière des élevages en développement FED, souvent appelée filière des élevages non conventionnels, ENC, se compose notamment des élevages d'olacode, olacodiculture, de lapins, cuniculture, d'abeilles, apiculture et d'escargots, héliciculture. Le programme de développement de la FED, conduit par le FIRCA, a pour objectif général de contribuer à l'amélioration de la productivité des élevages de cette filière qui constitue une réelle opportunité d'accroître la production nationale de protéines animales. Le lapin est une source prolifique de protéines animales, bonne pour la santé, qui s'adapte bien à différentes conditions d'élevage. La cuniculture ivoirienne est développée autour des grands centres de consommation tels que Yamoussoukro et Abidjan, car la viande de lapin reste un produit de luxe dont le marché est limité aux grandes villes. Pour avoir des animaux de qualité, comme vous l'aviez dit, avec des noyaux de qualité, il faut partir à partir des centres de reproduction. En Côte d'Ivoire, il existe à ce jour normalement deux centres de reproduction. Le centre de reproduction au niveau de Sap de Lamé, qui est situé dans la région d'Azopé, et puis le centre de reproduction des grands parentaux, que communément on appelle le centre de reproduction des GP, qui est situé à Azagué, qui a été initié et financé par le FIRCA. Le FIRCA, à la suite du ministère des Ressources animales et halieutiques, MIRA, a décidé de soutenir le développement de la cuniculture depuis 2007. Cela par la réalisation de sessions de formation des cuniculteurs et l'appui à l'organisation des acteurs, d'abord en fédération en 2012, puis en Union nationale des sociétés coopératives des cuniculteurs en janvier 2023. Les actions du FIRCA ont aussi porté sur la recherche de formules alimentaires adaptées selon les stades physiologiques du lapin et la mise en place d'un centre de production de reproducteurs en 2013. Le programme d'installation d'élevage de cuniculteurs multiplicateurs dans les zones cunicoles a été lancé en 2017 pour l'approvisionnement reproducteur des éleveurs de tout le pays. En fin 2022, 10 élevages multiplicateurs ont été installés et ont permis de produire 1620 lapins, dont 1085 reproducteurs. Le lapin n'est pas aussi comme le poulet. Quand tu fais le lapin, c'est toi qui as l'usine. C'est-à-dire les mères qui doivent produire les lapéros, c'est toi qui les entretiens. Il faut savoir combien de mille balles la mère doit te faire par an et combien de lapéros, de lapins la mère doit te faire vendre par an. La production nationale de viande de lapin est estimée à environ 50 tonnes. Cependant, les menaces sanitaires dues aux épizooties de fièvre hémorragique virale de lapin, VHD, qui ne font que s'accentuer depuis 2016, a engendré une légère baisse de cette production. En effet, environ 18% de morts ont été rapportées en 2021 sur le cheptel national qui s'évaluait à 35 000 lapins. Pour faire face à la VHD, le gouvernement a mis en place une stratégie de lutte au moyen de l'abattage sanitaire d'urgence des animaux sensibles dans les zones de foyer, la protection et le renforcement de la surveillance épidémiologique, ainsi que la vaccination des reproducteurs et l'appui au repeuplement des élevages dévastés par cette épizootie. L'apiculture est une pratique ancienne de l'agriculture ivoirienne, surtout en région de savane. D'abord basée sur la récolte de la production naturelle, collecte du miel sauvage, elle a ensuite évolué vers l'utilisation des ruches traditionnelles, puis récemment des ruches dites modernes. En effet, l'apiculture moderne a vu le jour dans les années 1970, mais le premier projet fut créé autour de Boaké en 1980. Depuis, les projets apicoles modernes se sont succédés au point de permettre à certains producteurs d'en faire leur activité principale. Le FIRCA finance certains projets apicoles dans le double objectif de générer des revenus alternatifs aux communautés rurales et de contribuer à la conservation des ressources naturelles ainsi que leur biodiversité. Cependant, les défis à relever sont nombreux. Savoir-faire insuffisant, matériel défectueux, faiblesse du système de commercialisation,
faibles revenus de transformation et de valorisation de produits de la ruche, miel, cire, pollen, etc. Il faut dire que le FIRCA est la seule structure jusqu'à aujourd'hui qui apporte de l'appui à l'apiculture. Ouais, pendant qu'on ne cotisait pas, mais le FIRCA nous a toujours soutenu. Les formations, les séminaires, tout ça c'est le FIRCA. Donc je dis, moi, je dois ça au FIRCA. Ouais, il faut le savoir, parce que lors des rencontres, on apprend toujours. Tu peux t'installer en apiculture aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, à moins d'un million. Parce que en fait, ça dépend de l'objectif qu'on veut atteindre. Bah, généralement, les gens ont tendance à croire que non. C'est-à-dire que j'ai investi tout de suite et puis il y a des milliards dessus. C'est faux. Mais à l'apiculture, tu peux t'installer à moins d'un million. Mais quand tu prends cet argent-là, 3-4 millions pour aller mourir en mer, voici des métiers comme l'apiculture. C'est un métier d'avenir. En vue d'aider la filière à relever ses défis, le FIRCA a contribué à la mise en place de la Fédération nationale des apiculteurs de Côte d'Ivoire, FENAPSI, en 2013, puis à la création ou la mise aux normes de 22 sociétés coopératives d'apiculteurs entre 2018 et 2021. Les représentants de celles-ci se sont rencontrés sous la coordination du FIRCA, le jeudi 19 janvier 2023 à Yamoussoukro, à la faveur d'une assemblée générale constitutive pour créer l'Union nationale des sociétés coopératives d'apiculteurs de Côte d'Ivoire, UNASCACI. Promouvoir l'apiculture, c'est promouvoir d'abord la biodiversité, c'est promouvoir l'auto-emploi, c'est promouvoir la protection de l'environnement. Donc c'est un grand challenge pour nous. Le premier problème que je pense que l'Union va s'affronter, c'est la négociation avec l'État, l'approche avec l'État et l'approche internationale aussi. L'héliciculture est une activité récente en Côte d'Ivoire où l'escargot géant africain constitue un petit gibier apprécié par les citadins et les populations rurales à cause de la qualité de sa viande. L'engouement croissant des consommateurs se heurte à la réduction sensible des populations naturelles d'escargots menacées en raison de la déforestation, la forte pression de ramassage, les feux de brousse et l'utilisation des produits phytosanitaires. L'élevage apparaît alors comme une alternative indiquée pour juguler la forte demande nutritionnelle et pérenniser l'espèce. L'élevage d'escargots est un élevage comme tous les autres élevages. La différence se situe seulement au niveau des coûts de production. Il faut choisir les meilleurs animaux. Il faut construire un habitat conforme. Puisque quand on élève des animaux, on fait des prisonniers. Et enfin, il faut donner de l'aliment comme il le faut. Des entrepreneurs comme Bernus Bleu, ingénieur en technique d'élevage, se taillent un marché de niche rentable avec des fermes installées depuis 2017. Ce dernier s'est lancé dans la transformation de la chair d'escargot ainsi que dans l'extraction de la bave pour satisfaire les besoins nutritifs des populations et alimenter les industries pharmaceutiques et cosmétiques. L'héliciculture présente plusieurs avantages. Les escargots ne font pas de bruit, ne dégagent pas de mauvaises odeurs, ne tombent pas souvent malades, ils mangent peu, ce qui réduit le coût de production et ont un potentiel commercial élevé. Cet élevage ne requiert pas une présence permanente. L'entretien des escargotières se fait chaque 2 ou 3 mois, permettant à l'éleveur de vaquer à d'autres occupations. L'essentiel est de veiller à la disponibilité de la nourriture dans les mangeoires et de l'eau dans les abreuvoirs. Néanmoins, cette activité a aussi ses exigences, dont la négligence peut conduire à des déboires. Le choix des reproducteurs est capital. Il est important de veiller à ce que ces animaux ne proviennent pas du ramassage en brousse, mais plutôt d'un élevage. En effet, seul ce type d'escargot pond tous les mois de l'année et même plusieurs fois par mois, indifféremment des saisons. En vue d'accompagner la dynamique de développement de l'héliciculture, le FIRCA apporte un appui à la mise en place d'un centre de multiplication d'escargots reproducteurs. La grâce de Dieu en partenariat avec le FIRCA, qui est en train de nous appuyer sur la mise en œuvre de la plus grande ferme d'acatiniculture en termes d'élevage d'escargots,
les Européens et les Africains orientaux sont au devant, sont les premiers. Mais l'élevage que nous connaissons dans nos villages, la Katina, là, la Côte d'Ivoire est la première productrice, elle est la vitrine. Et puisque les Européens ne peuvent pas élever nos escargots chez eux, la Côte d'Ivoire devient, si on veut voir, la vitrine mondiale en termes d'acatini culture, grâce au ministère des Ressources animales et halieutiques. Dans ce programme, le FICA aujourd'hui est en train de nous permettre de développer la plus grande ferme, et nous permettant de faire les engraissages. Alors le but de cette ferme, dans le partenariat avec le FICA, c'est de contribuer à la productivité, baisser le coût de l'escargot sur le marché, contourner les difficultés d'approvisionnement de l'escargot sur le marché en période de sécheresse et permettre aux Ivoiriens qui sont producteurs d'améliorer leurs revenus, d'avoir les reproducteurs facilement, d'améliorer leurs revenus et ceux qui travaillent, qui font l'élevage d'escargots en mi-temps, d'améliorer leurs revenus aussi. Et ceux qui sont étudiants ou sans emploi, qui cherchent une activité ou gagner de l'argent, de sortir de la précarité. Avec plus de 5000 escargotières, il permettra d'accroître la disponibilité de géniteurs et de poursuivre la structuration de la filière hélicicole par l'installation de fermes satellites qui se constitueront plus tard en sociétés coopératives. Investir pour le futur, anticiper, innover. Voici les trois actions qui matérialisent notre vision. Nous sommes le FIRCA.